À l'époque où le roi du mal Adora mit le monde à feu et à sang, le chevalier du dragon qui devait éliminer celui qui menaçait l'équilibre du monde n'est pas apparu. Adora fut alors vaincu par un humain, un héros du nom de Havan. En effet, le véritable destin du monde se joua ailleurs, car Veruza, le dernier dieu dragon, à la force colossale, cherchait à dominer le monde. En comparaison, Adora n'était qu'un insecte. Baran fut mortellement blessé après sa victoire sur le clan de Veruza, au prix d'une lutte sans merci. Baran, réunissant ses dernières forces, alla jusqu'à la source miraculeuse du royaume d'Alkid, dont on dit qu'elle restaure l'énergie des chevaliers dragons. Incapable de parcourir les derniers mètres, il fut secouru par un rayon de soleil du nom de Soala, princesse de ce royaume. Le coup de foudre fut immédiat et Baran fut invité au château. Très vite, les conseillers qui voyaient cette liaison d'un mauvais œil obtenirent du roi qu'il soit banni. Baran obtempéra, mais fut rejoint par Soala qui lui annonça être enceinte. Ensemble, ils se cachèrent au plus profond de la forêt de Terran et menèrent une existence paisible, auprès de leur fils Dino, qui signifie « puissant dragon ». Alors que le seul souci pour Baran était de réussir à endormir son fils, l'armée du roi encercla leur maison. Bien sûr, il aurait été facile pour lui de les battre. Mais, ne pouvant se résoudre à tuer des humains, il prit la décision de se rendre sans résistance à la condition que l'on laisse la vie sauve à sa femme et son fils. Son fils Dino fut alors envoyé en exil dans un autre pays. Quelques jours plus tard, ce fut l'exécution publique. Mais la princesse Soala ne put supporter de voir son bien-aimé mourir. Ce jour-là, le royaume d'Alkid fut rayé de la carte. Déçu par l'égoïsme des humains, Baran accepta quelques années plus tard la proposition du seigneur Vern et rejoigna l'armée du mal en tant que Leja sous les ordres d'un Adora ressuscité. Mais la conquête du monde marqua un temps d'arrêt suite à l'intervention d'un jeune héros du nom de Dai. Disciple du désormais défunt héros légendaire Havan et possédant un mystérieux symbole sur le front, ce signe alerta alors Baran. Et tous ses doutes furent alors levés à sa rencontre avec Dai, qui était en fait son fils Dino. Baran tenta de rallier Dai à sa cause, mais se heurta au lien précieux qu'il entretient avec ses amis, ainsi qu'à l'éducation de son monstre de grand-père Brass et des principes de son maître Havan. Baran dut se résoudre à utiliser toute son énergie pour effacer la mémoire de son propre fils. Après un peu de repos, il partit avec la ferme intention de récupérer son fils, mais se heurta à la résistance de ses anciens alliés Crocodine et Yunkle, l'obligeant alors à se transformer en homme monstre dragon. Dai, qui était alors prêt à suivre son père, fut marqué par le sacrifice de son meilleur ami Popu et recouvra la mémoire. Plus rien ne put alors empêcher la plus grande bataille que la Terre ait connue entre un père et son fils. Baran, blessé physiquement mais aussi et surtout mentalement par la détermination de Dai et Popu, se retira. Plus tard, Baran décida d'expier ses crimes de sa vie en allant combattre seul le seigneur Vern et son armée. Mais il fut arrêté par Yunkle, ayant hérité de la volonté du premier détenteur de son armure Rafaruto, ou Laal si vous préférez. Bien que tous les deux obstinés,
le père et le fils finirent par unir leurs forces. Ce duo de choc dut faire face à Adora, désormais transformé en archi-félion. Mais ce n'est pas tant sa transformation en créature hyper maléfique qui posait problème, mais le fait qu'il possédait sans le savoir un cœur noir, pouvant exploser à tout moment. Pour empêcher l'explosion de ce cœur, il fallait la puissance d'un draconien. Mais hors de question de se montrer à nouveau ainsi devant son fils, se dit Baran. Il utilise alors un sort de sommeil sur Dai et lui demande de garder dans un coin de son cœur le nom de Dino. Ainsi transformé en Ryu Majin, il n'eut aucun mal à se saisir du cœur noir et à utiliser son Dragonic Aura pour empêcher la mise à feu. Mais la joie ne fut que de courte durée, puisque Myst se montra en personne et à visage découvert, afin d'activer l'explosion. Baran prit alors la décision d'utiliser la totalité de son Dragonic Aura et de son énergie vitale afin de contenir l'explosion et sauver son fils. On put entendre la déflagration à des kilomètres. Et lorsque Dai ouvrit enfin les yeux, c'est dans le silence le plus glaçant qu'il comprit ce qui venait d'arriver. « Ne pleure pas, lui dit Baran, je ne suis pas le véritable chevalier du dragon. J'en avais la force physique et magique, mais pas le cœur. Toi, tu en as le cœur. » Baran partit alors peu à peu vers l'autre monde, en entendant les hurlements de son fils, lui criant « Papa !» Certainement, l'une des scènes de mort les plus émouvantes et poignantes. Mais à bien y réfléchir, la mort de Baran ne signifierait-elle pas la naissance du plus grand chevalier dragon, alliance de leurs deux pouvoirs? Allez, d'autres destins funestes m'attendent. À bientôt, et n'oubliez pas, certaines personnes préfèrent une mort honorable à une vie misérable.